Mais Zaba est possédé par un autre génie, le génie Mossi. Et il faut que les hommes venus des villages voisins sachent que Mossi a aussi accepté Zaba comme danseuse. C'est à l'intérieur de la case que va avoir lieu la transformation. Et voici que sort Mossi. On a peint sur le visage de Zaba ses marques avec de la farine de mil et du noir de fumée. Ce sont les cicatrices tribal des Mossi. Mossi se tient debout, ce n'est pas un génie paralytique. Et c'est Bagamba Isé qui lui donne sa leçon de danse. Et tous les initiés des villages voisins peuvent voir que Mossi a aussi accepté Zaba. Et la fête s'achève alors que la nuit tombe sur le village de Firkoun. Est tombée sur le sol. C'est la Magasia, l'une des reines des prostituées d'Accra. Elle est possédée par un génie femme, Madame Salma. Madame Salma, c'est la femme du lieutenant Salmon, l'un des officiers français qui vint le premier au Niger à la fin du siècle dernier. Madame Salma a reçu la robe et le casque colonial. Elle va faire l'inspection de la nouvelle statue du gouverneur. Puis le lieutenant casse un œuf sur la tête du gouverneur. Pourquoi un œuf? Pour imiter le plumet que les gouverneurs britanniques portent sur leur casque. Car le voilà, le véritable gouverneur. Au Trooping the Colors de l'ouverture de l'Assemblée à Accra. Canonton est dans cette foule. Il y a des Aouka qui sont venus ici pour chercher leur modèle. Et si l'ordre est différent ici et là, le protocole est bien le même. His Majesty Prisons. Usher Fort, l'un des premiers établissements anglais. James Fort. Il n'y a pas de place actuellement dans les prisons. Pourtant, un jour, derrière cette porte, est rentré un homme, habillé comme ceci, d'un costume de coton et coiffé d'une toque. Il s'appelait Kwame Nkrumah. Son gardien se souvient très bien de lui. Kwame Nkrumah, mais oui, c'était le meilleur de nos prisonniers. Il faisait tout ce qu'on lui disait. C'était lui le plus calme et le meilleur. Et c'est dans la prison de James Fort qu'est née l'histoire de Ghana. Sur le vieux marché des esclaves de Christiansborg, il y a maintenant le portrait de Nkrumah et cet écusson rouge, jaune, vert, l'image de Ghana, le nouvel État. Ici, c'est moi. Je m'appelle Adam Alhaj Kofo. Enfin, aujourd'hui, c'est le jour de l'indépendance. Je veux voir qu'est-ce que ça donne, le jour de l'indépendance de Ghana. Enfin, pour commencer, il faut jouer d'abord un disque pour bien s'amuser.
et à faire les galants. Alors les phonos tournent. Ah, je n'ai pas oublié encore, il faut mettre d'abord mon drapeau de chez moi devant ma porte. Parce que nous ne sommes pas des Ghana, nous sommes les sous-étrangers français. Nous sommes étrangers dans le pays de Ghana. Ah, je danse maintenant, je suis content. Parce que je vois tout le monde danse. Et il me faut jouer aussi mon phono et je danse comme je veux. Les vélos, les cyclistes qui passent, je suis très content de voir ça. Car comme le dit Adam, ce jour-là, tout le monde va vers la ville. Les gens à vélo, les gens en voiture, les gens à pied. Tout le monde va vers le stadium gardé par les femmes police. C'est ça. Voilà les chefs de Ghana, ceux du nord, ceux du sud. Ils ne savent pas très bien ce qu'ils vont voir, mais ils sont venus s'asseoir dans les tribunes. Des femmes vendent des programmes, c'est une grande fête qui va commencer. Plusieurs coups de canon. Oui. Est-ce que c'est la guerre? C'est pas la guerre, c'est seulement l'ouverture de Ghana, l'indépendance de Ghana. Chaque jour, des jeunes gens semblables aux personnages de ce film arrivent dans les villes d'Afrique. Ils ont abandonné l'école ou le champ familial pour essayer d'entrer dans le monde moderne. Ils ne savent rien faire et tout faire. Ils sont l'une des maladies des nouvelles villes africaines, la jeunesse sans emploi. Cette jeunesse, coincée entre la tradition et le machinisme, entre l'islam et l'alcool, n'a pas renoncé à ses croyances, mais se voue aux idoles modernes de la boxe et du cinéma. Pendant 6 mois, j'ai suivi un petit groupe de jeunes immigrés nigériens à Trècheville, faubourg d'Abidjan. Je leur ai proposé de faire un film où ils joueraient leur propre rôle, où ils auraient le droit de tout faire et de tout dire. C'est ainsi que nous avons improvisé ce film. L'un d'eux, Eddie Constantine, fut tellement fidèle à son personnage, Lamy Cushion, agent fédéral américain, qu'il fut, en cours de tournage, samedi soir, après la boxe, c'est la danse. Heureusement, il y a Tajan qui va nous payer la rentrée. L'agent fédéral américain. Tiens, les Corses, heureux, c'est la nana. Et moi, mon Dieu, je suis.